Sérieux, pas moyen de faire une coop à deux, y'a pas un truc à faire? Si, à part une sonde anale ou barbelé au développeur, y'a rien à faire. Bayonnette! Ah, c'est pour toi? Bon, j'attends que tu tapes le code là. Ah, fallait le taper en même temps? Ouais, mais tu me l'as pas dit, c'était quoi? Oui, Jean-Paul. Officiellement commencé, allons-y. Mais regarde ton ATH, t'as un gros point. Non, mais tu m'as pas dit le chiffre, quels sont les chiffres que je dois taper? En fait, il y a juste à appuyer sur le bouton. Vous savez ce que vous avez à faire. On élimine les gardes, on accède au labo. C'est pas Ibiza Game, c'est Ibiza Player. Gagner cette guerre, si on bosse bien. Ah putain, y'a pas d'autovisée! Y'a pas d'autovisée! Bah y'a jamais eu un jamais. Jeu de fort. Jamais eu d'autovisée. Ah ouais, mais ça fait trop longtemps que j'ai pas joué à un jeu où y'a pas d'autovisée un minimum, quoi. Descendez-les! Ça va être pénible. Ouais. Ah, je suis mort! T'es mort? Voilà. Comment on reste? Ouais, je suis pas mort, à nous demander si je suis mort tout de suite. Eh, t'avais l'habitude de jouer avec qui pour te demander ça? Ah, avec Dalton. Ah, bâtard. Ok. Même à Vermintide, c'est lui que je relève le plus souvent, quoi, alors que je brûle mes billets tout seul. C'est le temps que ça me revienne dans les esprits, quoi. Si on n'est pas ressorti dans les... Oh putain, t'en as plusieurs des esprits. Ouais, je me disais aussi, quand tu parles... Je me disais aussi, quand il parle, on a fait vraiment l'impression qu'il y a plusieurs. Mais tu vas où? Tu vas où? J'essaye la baïonnette, j'essaye la baïonnette. Merde, ça va pas marcher. Mais non, mais reste là, putain. Ah oui, tu cours avec B en fait. Ok, j'avais pas compris. Mais non, c'est A. Jusqu'à ce que tu touches quelqu'un. Ça fait 50 ans que tu fais ça dans. Non mais attends, ça fait trop longtemps, j'ai oublié moi depuis le temps. C'était marrant. Attends, on avait pas eu de tuto, ils nous balancent dans la guerre. On avait pas eu de tuto qui explique les boutons du jeu. Mais qu'est-ce qu'il fait ce bot? Qu'est-ce qu'il fait? À gauche. Non mais tu crois que Final Fantasy s'en fout au 15ème level? T'as cru que t'allais avoir un tuto? C'est délique le bot! C'est délique, je t'en prie, viens derrière la tourelle! Aïe, mais tu m'as tiré dessus! Mais c'est pas moi, j'ai pas de grenade! Mais putain, j'ai dit à mort! Eh mais t'es mort! Qu'est-ce que tu fous là-bas? Qu'est-ce que tu fous? Mais t'es mort depuis tout à l'heure! Mais pourquoi tu m'as pas dit que je viens de te raise? Je suis pas mort, je suis à la tourelle! Mais si t'es pas mort, pourquoi on a perdu? Parce que c'est toi qui es mort. Oh putain, c'est à moi qui dis ça. Mais tu peux pas me raise. Mais t'étais mais non, explosé, elle est trop... t'étais démembré, t'avais plus de tête, t'avais plus de jambes. Et tu peux pas me raise. Toi t'étais... t'étais en kit oui, manu. Oui, je vais prendre mon petit fil à coudre et puis je vais te remettre les trucs en place. Littéralement en kit corps libre, c'était kit manu. Mais pas là-bas, mais pas là-bas, tu te fous. Ah merde, je suis mort. Mais putain, mais psychédélique. On va pas faire ça tout le jeu. J'ai plus de munitions. Merde, toi aussi. Bah écoute, c'est au niveau du joueur. C'est au niveau du joueur, hein. Merde, je suis dans la tourelle. Attends. Prends la tourelle, c'est que toi. Ouais, c'est un truc qui me connaît là. Je sais que tu vas nous faire des étincelles. Merde, je suis mort. Mais non, mais laissez-moi m'amuser. Le mec il est mort à la tourelle. Mais pourquoi quand je meurs on perd? Pourquoi tu peux pas me raise? Mais c'est quoi cette merde? Oh pardon. Oh non mais non. Eh hey, t'as même pas d'indication des grenades qui sont à tes pieds? Histoire de dire attention, il y a une grenade qui va exploser, saute en arrière. Ah non, c'est la méga surprise en fait. Ah mais c'est débile. Non mais sérieux. Mais qui c'est qui a game designé ce jeu? Quel est le clébar qui a fait le game design de ce jeu? C'est du game design, c'est-à-dire un game design, c'est-à-dire que t'as un feedback visuel qui te dit attention, il y a une grenade là. Il faut peut-être jumper en arrière. Grenade. Non mais non. Mais pourquoi je la vois pas? Mais non, mais t'es trop de balles, putain, mais je joue avec un nul. Pardon. Fais gaffe, tu sais où je sais où t'habites, hein. Mais non, mais ça aurait été génial ce niveau de jeu à 4 ou à 3. Oui, voilà, bah c'est ça. Le jeu, il est designé à 4, mais ils ont dit, on va le faire qu'à 2. C'est moi qui les désosse. Salut. Ouais, on a réussi. Ça bosse tout nickel. Wouh, je t'ai dit, on flingue, je suis imbattable. Top là. Tap. Le air check. Ouais, super. Vous entendez? First try. Merde, faut faire quoi, ça me barre de partout. Go. Lui aussi, il est assez trop bien, lui. Peut-être. Je sais pas pourquoi il s'est tenu l'oreille et il a rien dans l'oreille. Mais non, c'est des curses de parfois. Oh, terrible. T'as vu les animations des voitures, les amortisseurs, ils sont vachement bien réalisés. Fais gaffe, qu'il y a des locus. Non, c'est pas des locus, c'est des vermines. Des vermines, ouais, y'a des vermines. Ah, ça c'est un locus. Non, vermine. Ah, même les locus, c'est des vermines. Voilà, ils ont changé de nom. Mais t'as pas compris quand je t'ai expliqué? Il est magnifique, il est majestueux. Alors,
dernière fois. C'était bien des locustes, c'est exactement les mêmes, sauf qu'ici on les appelle des vermines. Et ils sont allés à l'administration pour changer de nom comme ça? Ça se tue ça ou faut passer à côté? Bah vas-y, je reste caché, récupère le GoldenEye. Comme ça j'ai une super vue, j'ai une super vue cinématographique là. Merde, t'es mort! Je suis à terre. Non, c'est bon, il vient. Il y a Germain qui me... Faut le corpser? Pourquoi? C'est quoi ce verbe du premier groupe là, que le corpser? Ça veut dire quoi, faut le corpser? Hey. Oh, le sang, il a des reflets. Oh, il est magnifique, la texture du sang, elle est magnifique. Oh, graphiquement, c'est dur. Ah, il est encore là, il est revenu, mais tu l'as pas tué, mais qu'est-ce que tu fous, HB? Eh, c'est le scénario, pourquoi tu m'emmerdes? Alors, clébard de développeur, pourquoi est-ce qu'on peut jouer qu'à deux alors qu'on a plein de soldats, là, avec nous? Pourquoi on peut pas inviter deux autres copains? À quoi ça sert? Non, corpser, c'est mon émission. Ah, c'est quoi? Ah, c'est un corpseur. Quel est votre nom, caporal? Kim, chef. Je crois que c'était un... Fallait le corpser, enfin, je sais pas, quelque chose, mais... Félicitations. Ah, il y a un mode daltonien. Entendu, le caporal, il doit pas entrer. Ah, il nous fonce dessus. Utilisez le rayon. Il y a un mode daltonix. Oh, il a failli jeter une grenade, je l'ai coupé dans son élan sans zoophilie. Oh, magnifique. Oh, il s'est pris la grenade, il s'est fait démembrer. Oh, du renfort, c'est kiffant tout ça, par contre. Putain. C'est bon. Mais non, qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'es mort? Acte 1, chapitre 0, prologue. Au bout d'une demi-heure, ils y sont toujours. Ah, là, je suis black. J'ai des gros bistocos. Ah, mais tu commences mort, toi. T'es tellement doux que tu commences mort. C'est pas moi, hein. C'est pas le droit de. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, mais dis donc, faut soulever de la fonte là, c'est quoi ces allumettes que t'as envie de voir? Moi j'ai une femme. Ah d'accord. Reconnais-moi tout ça et grimpez à ce mur. Oh putain, la voix, t'as une vieille voix. Je crois qu'elle a un truc sur la langue. Je crois qu'elle a un petit truc sur la langue. Reconnais-moi ça. On va grimper ce mur. Attention, les locus. Allez, continue. J'ai du tricot à finir moi. Défoncez-les. Eh, on dirait une Yankee. Merde, je suis mort. Putain, mais c'est quoi ça? On a des ennemis en haut de l'échelle, c'est débile. J'ai payé la cour maintenant. Les laissez pas monter. Mais qui c'est qu'ils ont trouvé pour la VF? Mais y'a trop d'ennemis, mais faut qu'on joue à 18, pas à 2. Oh putain, y'a un gros méchant. Y'en a deux, mais vous êtes sérieux? Mais on vient de commencer le jeu. Commencez par des vers de terre, des poulets. Mais calme-toi, je suis la tête, c'est prévu. Y'a une grosse tarantule qui fait la taille de la montagne. Mais calme-toi, c'est un gros machin, mais c'est un pupidoche, regarde, il est mort. Ce serait tout pour que le sergent Phoenix soit des nôtres aujourd'hui. Ah, il est mort? Prenons le temps de penser aux... Mais je croyais qu'il était pas mort. Calme-toi, t'es extrêmement stressé là. Et stressant. Tu es émotionnellement stressé. Nous avons ramené... C'était quoi ce paix là? Ah oui, c'est bon, un monde en paix. Oh la vache, t'as eu le temps de défaire ton micro, de le mettre sur les fesses, de péter, de le remettre. Putain la vache. Eh, vous trouvez pas dans le chat que le héros, le fils de Marcus Phoenix, il ressemble à Nathan Drake sous stéroïde? Par contre, elle est bonne, elle est bien, elle est jolie, elle est cool. Enfin, elle est swag. Elle présente son caca. Regarde, c'est moi qui l'ai fait. C'est la testicule d'un ennemi que j'ai arraché avec les dents. Je l'enveloppe. C'est une couille de vermine. De forme, oh putain, elle est en train de pondre la couille. Pourquoi on a un gars des Easy Top, ça, non? Y a une différence. Fais gaffe, t'as un truc. Comment elle a su? Elle a des yeux dans le dos. Cool. On est en 2318 avec des vaisseaux spatiaux et on est dans un chariot à cheval. Non, y a pas l'armée là. C'est pas l'armée. Hein. On a passé le début du jeu. Wouh. Oscar de la conduite. Putain, il a dérapé en chevaux. Eh, c'est magnifique, par contre. Les effets climatiques sont vraiment incroyables. Mais attention, la météo est jamais... Oh putain, les effets climatiques de dingue. C'est trop bien fait. C'est énorme. C'est énorme. Faut faire quoi? Faut le tuer? Oh merde. Ah non, c'est c'est pas un méchant. C'est clair, ça se tue pas. Non, mais la grosse machine, je croyais que c'était un méchant, mais c'est pas un méchant. Parce que je croyais que c'était une grosse main alien, mais en fait, c'est juste un bulldozer. Putain, mais c'est quoi ce cheval rhinocéros? C'est pas un cheval, c'est pas un cheval. C'est un Pokémon de la catégorie des chevaux. Ah ouais. T'as vu, en hommage à Marcus Phoenix, ils ont mis un phoenix à l'intérieur du gear de la porte. En tout cas, il s'annonce terrible ce Gear of War, putain. Dommage qu'on puisse pas suivre l'histoire. Oh, la skybox, elle m'a foutu un frisson. Le nuage, regarde le nuage. Ah, il y a un Zozio.
Ah, il a des potes, les osiers. Ah, non, il est passé dans le nuage, en fait. Ah non, il a des potes. Eh bien, ils ont pas à se soucier des attaques. Ça doit faciliter. Mais arrêtez de dépop. Des échelles. On va remonter. Ils sont en rythme et tout. Ça aurait pu, mais non. C'est excellent. Mais s'il roule d'un piston. Oh, t'es derrière, toi. Tu fais 15 fois le même boulon, robot. Fais gaffe, t'as Guilty Spark, là, qui t'attaque. Ah non, mais les veilleurs, c'est les mecs de Destiny, en fait. Ouais, c'est pratique, les robots, ils ont une cible sur la tête. Tirez ici. De quoi tu te plains? Tout à l'heure, tu plaignais, t'étais pas aidé, et maintenant... Ah bah tiens, tu vois ce que je t'ai dit? Tirez ici. Salaud, mais il passe derrière, mais c'est... Ah, je suis mort. Et voilà. Moi aussi. Oh putain, il y a un Transformers au fond, on peut pas le prendre pour les détruire. Ils sont un Transformers de la taille d'un bâtiment, et le mec, il met des boulons. Excellent, putain, il est trop beau. Mais concentre-toi sur le gunfight, qu'est-ce que tu me rends? Mais il est trop beau. C'est pas triage, on est pas en best of track, on regarde pas le décor ici. Attention à l'explosion. Oh, Community c'est Boulevard, même les rues, elles ont des noms de rues. Maintenant. Oh, il y a un robot qui met des plaques. Viens. Tire pas. Je tire pas, je regarde. Je prends quelle arme? Ah bah, non, l'autre côté, voilà, merci. Ah merde, fais gaffe, ils sont de dos. Tu te mets derrière lui, tu te fais joystick en haut. Ouais. Et X. Et X. Ah. Oh putain, terrible. Ah mais il est pas mort. Y. Mais merde. Ah mais fallait savoir qu'il fallait faire Y après. Bah c'était marqué en gros en fait. Non, qu'il y a pas de game design, il y en avait un là. Là c'était magnifique. Ouais mais il fallait qu'il prévienne avant quoi. Ah, je peux le faire là. Ah voilà, viens là, tu as réussi. Par contre, le mec, il ah non, tu tues un robot en lui poignardant le poumon. Écoute, pose pas des questions dont tout le monde se fout, voilà, c'est ce que j'ai à te dire. Ah, je sais pas, et pareil, comment t'as pu soulever un robot du bout de bras? Le robot, il doit faire au moins 200 kilos. Écoute, c'est Gears of War. C'est pas King Quest. Oh, tu joues au foot, terrible, tu peux jouer au foot dessus. Ouais, c'est terrible, c'est génial. Sur toi. Attends. Ah, traverser la Sio. C'est terrible, c'est clair en fait. On n'est pas là pour. Attention, mets-toi pas proche. Ah, l'arme, il est vachement bien fait. Avec les mais putain, y'a des ennemis, arrête là, espèce de vegan de merde. Donnant quoi. Oh l'autre. Une fouette. C'est quoi ça? Mais c'est pris dans 50 parce que t'as été vilaine. C'est parce que t'as été vilaine. Mais je joue pas 50 nuances t'es de gré, vilaine. Moi. T'es vilaine, concentre-toi sur le jeu. Il m'a mis un coup de pied au cul. 50 nuances de gré. Encore un meilleur détruit. Ça, heureusement que je suis là. Oh, la fumée, les photoréalistes. Énorme. Merde, des pisteurs. Du coup, il sait pas s'il faut tirer sur toi ou s'il faut tirer sur moi. Du coup, ils arrêtent pas de bouger. Attends, arrête de bouger. Bah quoi, tu t'amuses non. Pas à toi. Arrête de m'emmerder. Regardez autour de vous. C'est du harcèlement là. C'est du harcèlement. Arrête de bouger. Arrêtez. C'est du harcèlement. Je vais te mettre une cartouche. Arrête de bouger, bordel. Je vais appeler Mathilde. Très mauvaise idée. Ah, tu vois, elle dit très mauvaise idée. Je suis un mâle blanc privilégié, arrête. Non, ils disent un mâle blanc cis hétéro, c'est comme si c'était quelque chose. Les mecs, je suis un homme. Non, je suis pas un homme, je suis un cis. Écoute, tu pisses debout, t'es un homme. Tu pisses assis, t'es une femme. Ça s'arrête à ça. C'est mathématique. Hein. 1 plus 1 égale 2, ça fait pas 4 ou 5. Hein. Ça fait pas 2,5. Non, je suis une femme, je m'appelle Sonia. T'as un tube au bout de ton bassin, t'es un homme. T'as un trou, t'es une femme. Ça s'arrête à ça. T'as les mecs, c'est en 2018, ils ont des tubes, ils ont des CRT vert Windows 3.1. Putain, ouais, mais c'est quoi ce clavier où il y a même... Le clavier, il s'arrête sur F1, il s'arrête sur F6, il n'y a même pas de F12. Le pavé numérique, il est à gauche au lieu d'être à droite. Tu sais que ce clavier... L'entrée, il est à gauche. L'entrée, il est... Mais le clavier, il est à l'envers. Eh, viens voir, la touche entrée, elle est à gauche du clavier. Tiens, oh, voilà, hop. Ah, c'est beau, hein, c'est beau là, la tensité des vitres sales là, c'est magnifique. Ah, c'est beau, oh, avec les feuilles qui naviguent là. Fais gaffe, pisteur. C'est quoi des pisteurs? Ah oui, c'est des. Il va dégager lui là, il me gêne là. Oh là là, cette skybox de malade. Oh. Laissez faire le pro. Posez-vous. Ah, il va taper dedans. Voilà. C'est une technologie CG ultra moderne, ça m'étonnerait. ok. Vous deux, allez récupérer le fabricator. Ah, le black s'appelle Dell. Bien, tous les deux. Vous êtes un PCiste. Ouais, j'y pensais. C'est pour ça qu'on peut pas le jouer, en fait. On est dedans, fais-nous descendre. Juste de comprendre comment ça marche. Comment ça marche? Tu fais la poignée, tu fais le clouc. Là, des robots.
Ah non, ça va, ils sont juste... Putain, ils m'ont fait peur. Oh, c'est vos problèmes. C'est quoi, ça? Ah, ça va m'écraser. Oh, des pièges. Allez. Ah, c'est ça la nouveauté de Gear of War 4. Alors quoi, ça, le gentleman, il va pas m'aider, là? Ah, écoute, tu m'as pas fait un sandwich depuis le début. Ah, on peut le porter à deux. D'accord. Tu m'as pas fait un sandwich. Ah, je peux fabriquer des armes. Et ben voilà. Alors, c'est où mon argent? J'ai 5000 d'argent. C'est à droite. Hé, pourquoi c'est devenu plus cher juste avant que je paye? Waouh, Del. Hé, tout est rouge. Mais pourquoi j'ai plus rien? Merde. J'ai 900 d'argent. Hé, tu m'as dévié. Rends-moi mon fric. Rends-moi mon fric. Tu m'as fait les poches. J'ai rien piqué. Tu m'as fait les poches. Les gaspille pas tes munitions, j'y peux rien s'ils ont fait que à chaque fois qu'on paye, les autres payent plus cher. Putain, mais en fait on a de l'argent commun, mais je suis pas marié avec toi, j'ai pas de compte commun. Rends-moi mon fric. Eh, il est tout défoncé. Putain, t'es bien une gonzesse, quoi. T'es bien une gonzesse, t'es rentré dans un magasin, c'est j'achète. Tu t'es cru à printemps pendant les soldes ou quoi? Ah, il est trop bien le flingant, Rafa. Il est trop bien le. Ah, c'est bon, j'ai pu acheter des balles de mitraillette. J'ai rien pu acheter, qu'est-ce que t'as fait? Attends, j'ai racheté des balles de mitraillette, c'est déjà ça. Eh non, j'ai plus rien! Eh! C'est quoi cette arnaque? J'ai acheté une mitraillette, j'avais 200 balles, j'ai plus rien! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce bug? Il ne fait pas rentrer! Mais ne fais pas, putain! Et pourquoi? Mais parce que quand tu le fais, ça ouvre. Oh là 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 là! Quand tu le fais, ça ouvre des portes, mais ça ferme celles qui sont opposées. Ah, je n'avais pas compris ça comme ça. Oh là là, bah à ton avis, pourquoi c'est... Oh putain, mais alors... Ah, je suis mort. Mais t'as ouvert la porte quand j'étais sur le pont. Alors, t'as compris comment c'est chiant? Est-ce que t'as compris maintenant? T'as compris, hein? T'as une mère, hein? Ah, t'es bien, hein? T'es content, là? C'est bon, t'as compris, hein? Mais on sait, connasse, c'est quoi? Je reste à couvert, j'ai trop de dégâts là. Ouais, moi aussi. Je me réintroduis dans le système. Oh, tiens, oui, vas-y, réintroduis-toi. T'arrives à la voir? C'est le nom de sa femme, ça s'appelle Système. C'est sa femme? Bah oui, lui il s'appelle Del, donc sa femme s'appelle Système, Bios. Et Del, il sait comment y faire, il s'est branché en clé USB. Et... Au fond, après. Tape dans le fond. Tape dans le fond, je suis pas ta mère, allez, vas-y. Ah, je suis à terre. Merde, non, c'est bon. Relève. Oh, on les a dépouillés. Oh, le gameplay maximal qu'on a balancé. Je peux arrêter de jouer avec les boutons, là, par contre. N'oubliez pas, je sais ce dont vous êtes capable. au revoir. Ah oui, d'accord, c'est ils t'écrasent, les mecs. Ils s'en battent les steaks. Oh la vache! Ah d'accord, c'est surtout pas de corps à corps avec eux. Qu'est-ce que tu fais? Il était trop proche, je voulais l'attaquer au corps à corps. C'est une logique implacable. Les mecs, ils vont mettre de haut et toi tu... Oh bah tiens, corps à corps, coup de croix, ça va marcher. Attends, je suis le fils de Marcus. Normalement, je suis censé battre des montagnes à main nue. Non. Personne fait ça dans Gears of War. Je trouve qu'on se démerde vachement bien quand même. J'étais sur le point de sortir ma botte secrète à Jésus. Là! Ah mais ceux qui le font, le fabricateur... Oh terrible, le café. La brique aussi, elle est vachement bien faite. Ah on s'en branle. Il est temps de se casser. Oh, il casse le mur et tout en arrivant. Putain, c'est trop bien fait, c'est génial. C'est énorme. Non, c'est pas là, je crois. Si, regarde, la nuit s'est ouvert. Ah, il s'est fleuri, il s'est défleuri. Ouais. Un peu de popper, c'est... C'est dilaté. Oh putain, ça largue. Oh, ça largue au corps à corps. Fais gaffe. Cours, saute. Jump, kiki, punch. Kiki, douki, touka, kiki, toutou. Les gars, encore sur parapace de rappeur. Oh les ondes de balles de choc sur le mur. Ah, magnifique, c'est trop bien fait. Merde, ennemi, que tu branches. Merde, y'a des ennemis. Des balles de merde. Oh, j'adore ces pistons là, putain, ils sont trop bien faits. C'est le chemin qu'on a pris à l'aller, on est plus très loin. Oh, je suis mort, putain, j'ai pas le temps. Oscar, viens là. Del. Del, reboot, fais un reboot. C'est clair. Putain, il fait un bruit, le chevau. Le cheval. Un cheval des chevaux. Ouais, un martal des marteaux. Une bataille des bateaux. Des Sophie Marceau, un Sophie Marsal.
Ça, c'est la mère de Kate. Ah, fais voir, elle est comment? Oh, pas mal, on dirait une nana de Skyrim, quoi. Veuillez vous écarter. Vous n'avez aucune autorité ici, madame. S'il te plaît, on n'est pas mariés, alors je m'écarte quand je veux. On y va. Oh là là. Ouah, c'est trop beau. C'est énorme. Oh, j'ai un frisson de beauté. Mais non, mais arrête de regarder le paysage, avance. J'en ai marre. Mais c'est énorme, c'est trop beau. Y'a que lui qui dirige, je suis obligé de me taper ce de vegan là. Tiens, bah voilà, c'est trop beau, on dirait qu'on est... à me détacher. On est sur Skyrim. On est sur Witcher 3. Ah si, c'est beau. C'est esthétique, c'est propre, c'est artistique, c'est magnifique. Les arbres de couleurs différentes comme ça, c'est génial. On se croirait à bord de ciel. Amen le fabricator. Amen le fabricator. C'est où? Pour aller où? Même elle le dit. Attends, j'ai baissé la vue encore. Gros point blanc. Ah, je suis dans les escaliers. Oh putain, oh les pâquerettes. Les pâquerettes, viens voir les pâquerettes. Le fabricator, viens. Mais viens voir les pâquerettes, elles sont trop bien faites. Mais je m'en branle, tes pâquerettes, viens, je vais... Oh là 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 là, allez, là. Pourquoi la méchante, elle est contre nous? On est juste un super... Ouais, y a une statue de cheval. Je viens de dire, elle est méchante. À droite. Ah, c'est terrible comment ils l'ont bien boulonné. À droite. Ah oui, j'y vais. Déployez le fabricator. Je regarde le décor. Il est beau. Merde, on détruit les trucs. Non, c'est bon, je les repousse au flingue. Oh, joli la grenade. Non, Oscar, non. Oh. Non, c'est bon. Non, mais c'est bon, t'inquiète, Oscar va survivre. Ah, t'es sûr?